Ah oui. Allez, va sur la table, je vais te faire ta... Oui, je vais te faire ta petite tartine de pain, mon petit bébé. Voilà. Dis bonjour tout le monde. Ah, on va mettre ça comme ça. Coucou les amis. Comment ça va les amis? Hein, Jackson, comment ça va tout le monde? Alors attends, regarde. Hop. Un peu de beurre. Voilà. Hop là. Hop là. Un, deux, trois et quatre. Voilà, mon petit bébé. Hop là. Mange-la comme ça. Ils aiment te voir manger, mon amour. Ils aiment ça, ben oui. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très très beau message aujourd'hui. J'ai le temps d'aller regarder un peu vos messages après le café 213. Je dirais pas que 13 porte malheur, mais j'avoue que je l'ai réécouté. J'ai dit, mais voyons, t'as l'air bien énervé, mon Ben. En tout cas, vous avez tous été adorables. Suki, non, viens pas embêter Jackson, tu vas la perturber. Écoute, les ailes de dragon, c'est comme ça que je vais appeler mon bacon maintenant. Les ailes de dragon, un régal, un régal. Je pense que Souki, il a envie d'un bout d'aile de dragon. C'est ça que tu veux, mon bébé? Assis. Assis d'abord. Oui, voilà. Alors, il y a Mésange qui demande c'est quoi le bisou magique? Vous êtes nombreux à me demander, hein, à me dire bisou magique maintenant. Hein, ça fait un petit moment que je vous. Je ne sais plus qui c'est qui a lancé ça, bisou magique. Je pense que c'est Laetitia. Peut-être. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui l'a lancé. Ça, c'était un beau dragon, ça. Ouais. Un très beau dragon. Alors, mes anges, un bisou magique. Ça n'existe pas. C'est comme le Père Noël. Ça n'existe pas. Sauf qu'on peut s'en faire autant qu'on veut, justement. Parce que c'est magique. Donc, quand tu viendras à la maison, quand tu arriveras à Montréal, je te montrerai c'est quoi un vrai bisou magique. Ouais, tu verras. Un bisou magique, ça doit être un bisou rempli d'amitié, d'amour, de gentillesse, de bonté, de tout. Voilà, c'est ça un bisou magique. C'est du bonheur, du rire, de la joie. Il doit y avoir tout ça dans le bisou magique. Donc, je te garantis que quand tu vas descendre de l'avion, tu auras droit à ton bisou magique. Et ça va être comme ça pendant une semaine, tous les jours. Première chose qu'on fait, c'est un bisou magique. D'accord? Je te montrerai c'est quoi le bisou magique. Puis après, tu vois, regarde, avec la reine des dragons, le dragon asthmatique, ben. Régulièrement, on se parle, pas tous les jours, hein, ben là, elle travaille et puis on n'a pas le temps là. Mais depuis, hein, avec Sandrine, on se fait régulièrement des bisous magiques. Ouais. On va mettre le petit pot ici, regarde comme c'est joli ça, pour la déco. Merde. Voilà, on ne le voit pas, bon, tant pis. J'ai un ami là, il est arrivé une couille hier. Pauvre. Il a garé sa voiture devant le resto, tu sais, tranquille. En ville, là, à Montréal. Vers des Caraïbes. Pour ceux qui connaissent Montréal. Et ben, il y a. Cet ami-là, là, c'est un frère pour moi. On s'adore.
Et il lui est arrivé vraiment des choses terribles. L'année 2017 n'a pas été un cadeau. Et il a réussi à se refaire. C'est un gars qui il a tout dans la tête, là, tu sais. Il a des projets incroyables, énormes. Et c'est toujours des projets dans lesquels il y a le souci pour l'autre. Résidence pour personnes âgées. Des conteneurs chauffés pour les sans-abri. Enfin, bref, il est tellement bon ce gars. C'est de l'amour en chair et en os. Et là, il avait tous ses papiers, tous ses projets, des numéros de téléphone, des papiers officiels, des papiers, des originaux, enfin bref. Il traînait ça avec lui dans sa sacoche. Avec de l'argent, et ben il s'est fait piquer la sacoche. Vitre cassée, piquer la sacoche. Toute sa vie est partie là-dedans. Là. Et là, tu le vois, tu dis, mais peine, comment ça se fait que j'ai pas pensé à la garder tout le temps avec moi? Ça fait un moment que je la traîne avec moi, et puis. Là, j'ai dit, bon, allez, hop, je suis allé manger, c'était en plein jour, hein, il était midi hier, au resto. Mais comment j'ai pu me séparer de ça? C'était toute ma vie. Alors, je lui ai dit, tu sais pourquoi? C'est parce que t'es un homme trop bon. T'es trop bon comme gars. Il n'y a que les voleurs qui se méfient des voleurs. Il n'y a que les bandits qui se méfient des bandits. Nous, là, ok, on entend parler, tout ça, mais. On est du genre à sortir sans mettre l'alarme, on est du genre à pas y penser. On ne veut pas penser à ça parce que pour nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'être comme ça. Non! Oh là 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 là, excuse-moi, Sandrine, regarde encore une aile de dragon. Oh, j'ai l'impression qu'on va tous les avoir, hein, ces dragons-là. On va toutes les avoir. Donc, on va passer la journée ensemble là. Je vais l'aider à régler toutes les petites choses. L'assurance, les banques, tout, tout, tout là. On va tout finaliser ce qu'on avait commencé déjà hier soir. Voilà quoi. Pourtant, à Montréal, on est quand même dans une ville safe. Hein. Bon, il y a des petits coups de feu de temps en temps quand même. Y a la mafia ici, hein. La mafia italienne, calabraise ou napolitaine. Je pense que c'est les deux qui se tire dessus. La corruption dans la politique, ça aussi on l'a. Oh mon Dieu, regardez-moi celui-là, regardez. Ça là, on reconnaît bien la petite, tu vois. Regardez, voilà la petite trace ici là. Ouais, ça c'est quand elles sortent leurs griffes. Tu vois, ça c'est les griffes qu'elles ont sous l'aile. Hein, les petites dragounettes. Regarde ce que je fais de vos griffes. Tu t'assois. Assis. Assis, mon bébé. Voilà. Allez, une petite dragounette. C'est vrai que plus on est dans un environnement qui a l'air sécure, plus moi on se méfie, quoi. C'est ce qu'il me dit. Ben, tu te rends compte, on est en plein jour. Dans un grand centre commercial, là.
Les bâtons rouges, lui, il est allé dans un restaurant chinois, Amfang, ou je sais pas comment ça s'appelle, là. Il y avait un Walmart, on est vraiment en plein jour dans un centre commercial, quoi. Il s'est même posé la question, il dit, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui me veut du mal? Qu'est-ce que t'en penses? Il était tellement sur des gros projets. Alors, comment vous avez trouvé les Natutos? Oh, j'ai vu vos messages hein, sur la vidéo de Natacha. Oh, le Natutos 4, allez le voir. Il est magnifique ce petit Natutos. Tu la vois en train de se régaler quasiment plus que son oiseau. Alors, vas-y, vas-y, hein, même ça, c'est ces petits biscuits, Natacha. Mais alors, je ne vais pas vous donner le punch. Hein. Mais allez le regarder jusqu'au bout. Ben oui, regardez-les jusqu'au bout. D'ailleurs, si tu lui montes, Natacha, là, je voudrais faire un gros, gros bisou à ton chéri, hein. Un bisou magique, hein, pas. Mais un beau bisou magique, ben oui. Fais-lui un gros bisou magique de ma part. Écoute. Je parlais avec Natacha, je lui dis, mais dis donc. Tu devrais faire ta propre chaîne, ma belle. Et là, elle me dit non. Elle dit, moi, je ne sais pas si je pourrais supporter les moqueries, la méchanceté des gens. Alors, je te remercie de pouvoir vivre mon petit délire. En plus, ça nous permet, avec mon chéri, de nous retrouver sur un projet, de passer du temps ensemble pour le monter, pour le préparer, pour le finaliser. Vraiment, on adore ça. C'est fou, hein? Je peux comprendre. Si tu mets pas des règles dès le départ, c'est sûr que tu te fais. Regardez, il y a. Comment elle s'appelle? Daniel. Daniel. La maman de la petite Pépita dont on a parlé en début de semaine. Alors déjà, elle vous remercie encore une fois. Deux, elle vous dit qu'elle est désolée pour les gens de Facebook qui l'ont reconnue sur Facebook, qui la demandent en privé. Elle ne prend plus personne. Hein. Pas qu'elle est méchante. Hein. On était encore ensemble. Écoute, elle s'est couchée. Je pense qu'il devait être 2h30 du matin en France. On était encore ensemble jusqu'à hier. On s'est donné nos numéros personnels et de quoi nous contacter par téléphone. Bref, et donc, une madame comme ça, gentille, avec son oiseau, t'as aucune violence dans le film, hein? C'est un oiseau qui est en train de s'amuser, foraging, il va essayer d'enlever comment on appelle ça, des joujoux dans une boîte et tout ça, il n'y a rien de méchant là, c'est juste, voilà, une madame qui filme son oiseau. Il y a des gens qui sont capables d'aller raconter, d'aller l'insulter. De glisser sur un tout autre terrain par rapport à Dany, par rapport à espèce de goy, espèce de. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce merdier là? C'est quoi? Alors, comme elle me disait, ah, je vais être obligé de faire d'autres vidéos, quoi. Elle dit, j'atteins les 400 abonnés là. 400 et quelques, elle a eu. Mais oui, ok, sage. C'est fou quand même comment on peut trouver des gens qui ont ça en eux, quoi. Je sais que Joe Barty m'a essayé de défendre Daniel, essayé de mettre en le petit con qui était là avec ses insultes, essayer de lui mettre des claques virtuelles. Alors moi, comment on appelle ça? J'ai dénoncé à YouTube ce gars-là. Donc YouTube a enlevé les messages. Hein.
Parce que voilà, je voulais pas que Daniel elle puisse faire des trucs pareils. C'est vraiment méchant, quoi. C'est vraiment méchant. Ah bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, cette semaine, vous aurez eu 4 petits cafés. Puis là, ça doit être le DK16. Oui. Oui, Laurent, je sais, ça fait 2 fois que je nomme 2 fois le même DK, mais c'est parce que quand je suis ici, là, c'est un enregistrement direct avec mon téléphone, et juste derrière, bah, il faut que je mette le nom du truc, je peux pas aller checker ma chaîne YouTube comme ça, là, je sais pas faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je rentre le numéro du cas et puis j'ai oublié que la veille j'avais déjà nommé. Bon alors voilà. Donc là je pense que je vais pas me tromper, c'est le DK16. J'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés sur Facebook. Hein, salut dans la petite famille. Valérie Galizi, merci pour tes vidéos. J'ai eu un message de WeTransfer comme quoi j'ai reçu quelque chose de ta part. Ça devrait vouloir dire que ça fonctionne. Ça a l'air de te plaire les ailes de dragon, mon petit Souki d'amour. Hmm? Assis. Allez, assis, Souké, assis. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'essaie de qu'on soit le plus souvent ensemble. Manon, elle adore quand elle fait caca comme ça. Quand elle cocotte. Oui, Manon, elle adore quand tu fais ça, mon petit bébé. Fais-moi un bisou. Fais un bisou à papa. Petit bisou à papa. Fais-moi un bisou. Tiens, fais un bisou. Je t'aime. On ne souquille pas entre les jambes, s'il te plaît. Donc maintenant, on va voir sous la vidéo du café 213. On va voir. C'est un petit message de Rémi. Ouais. Rémi, on aimerait que tu sois avec nous jeudi, hein. Non, c'est pas jeudi, c'est mercredi. Ouais. Enfin, c'est le 14. Parce que Rémi veut pas aller tout seul sortir fumer dehors, et il voudrait avoir une copine. Une campagne de cigarettes. Ça lui rappelle une vieille époque où il était encore un petit dragon, Rémi. Ouais. Il sort fumer, c'est... Salut Manon. Ça va? Ah mon Rémi. Un ancien dragon, bah, il s'est calmé maintenant, il est devenu un bisounours. Mon petit Rémi. On va se régaler, on va danser, on va chanter, c'est la vie. Alors, j'ai rien prévu encore pour cette soirée, j'ai une petite idée de repas. Mais c'est sûr que tout ce qu'on va faire là, il y aura une caméra quelque part, et on partagera tout ça avec vous. Pour le premier anniversaire du café. Combien on est là? 19 minutes, ben voyons. Oui, ça fait beaucoup. Personne, 19 minutes. Alors, il y a Sandrine qui dit, moi j'adore les petits DK, ça me rappelle les premiers cafés. Ben oui, mais il n'y avait rien, pas de lumière. T'as aucune couleur, c'est fade. Et elle aime ça. Hein? Le côté... brut de décoffrage.
Petit Jackson qui se réveille. Il m'a réveillé aujourd'hui, hein. Oui. Alors, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où Jackson, elle dit tous les mots qu'elle connaît. Jackson, c'est un arachloroptère. Ce n'est pas un Amazone à double front jaune, un gris d'Afrique. Je pense même que des calopsites parlent beaucoup plus que Jackson. Jackson, à part papa, coucou, allô, le reste, c'est du baragouinage, comme beaucoup de perroquets d'ailleurs. Moi, ce qui me fait rire, c'est souvent, il y a des gens qui... Le perroquet, il fait... Oh, mais qui chante ? Hé, t'as vu, il a dit, fais attention. Ah ! Oh, c'est incroyable ! Après, le perroquet, oh, c'est un fresh shopping ! T'as vu ça ? Il a dit, comment ça va ? Oh là là, mais c'est magnifique ! Bon, moi, je suis pas fou, quoi. J'entends pas les voix. Je suis pas comme Bisoulove, hein. Je ne suis pas comme Bisoulove, hein. Faut bien se dire une chose, hein. Bisoulove, elle rentre dans mon corps, hein. Mais je suis pas elle, hein. Et donc, là, tu vois, elle a dit, ouais, c'est vrai que t'es pas Bisoulove. Non, ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que beaucoup de perroquets, à part les mots qu'elle dit clairement, là, mais c'est parce que c'est des sons qui, pour elle, lui donnent une émotion. Quand elle dit papa, c'est parce qu'elle tient vraiment à ce que je sois là. Donc là, elle a été plus précise, elle va chercher le mot. Quand elle dit allô, c'est un mot que les perroquets connaissent très très bien, allô. Pourquoi ils nous entendent tout le temps au téléphone ? Allô ? Mais à ce moment-là, elle aimerait avoir toute l'attention, donc ça l'énerve le côté je suis au téléphone, donc elle va dire allô plus facilement. Mais. Oui. Oh oui, un bisou. Mais voilà, autant vous allez avoir des cacatoès et d'autres oiseaux, tu vas leur dire bisou 100 fois, et puis bim, avant de le sortir, bisou, 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 bisou. Comme le petit Adeline. Qu'est-ce que tu dis, chouchou ? Ah, mais le gué d'Afrique, lui, il peut dire 400-500 mots, facile, faire des phrases. Mais c'est pas ça, le chloroptère. Moi, personnellement, je ne voulais pas un chloroptère d'abord pour ça. Je suis content qu'elle parle, bien sûr. Quand elle dit papa, ça me fait plaisir. Mais tu ne prends pas un chloroptère pour ça. Il faut bien le savoir. Donc, s'il y a des vendeurs qui vous disent que t'inquiète pas, elle va super bien parler. Oui, elle va peut-être dire 3-4 mots. Hein, vous avez le perroquet que j'avais mis sur la vidéo qui dit « Attention, hein, attention !» Bon, ben, ce perroquet-là, il a dû entendre tellement de fois « Attention !» Il doit associer ça à quelque chose de son papa qui a dû le surprendre ou quoi. Puis voilà, il a enregistré, puis il fait le son. T'es toute belle, mon amour. Merci, mon père. Ouais. Je peux encore faire. J'aime bien quand t'as des couleurs comme ça. Ouais. Mon petit perroquet. T'es belle. Non. Non, Jobartine, tu la verras pas. Arrête ça. Fais attention, chouchou, hein. Si tu reçois un courriel genre bizarre avec marqué Jobartine, tu me préviens. Hein. Mais j'ai pas donné mon adresse courriel à personne. Non. Ouais, mais il est capable. C'est les Alsaciens, là, faut se méfier. Déjà, il a vu la belle Séverine hier en vidéo tout de suite. Salut Séverine, t'es bien jolie. Je ne veux pas rendre Béni jaloux, mais... Mais non, mais laisse, voilà. Elle est divorcée, non ? Elle est en plein divorce, ouais. Voilà. Non, mais il drague tout le monde. Il drague tout le monde. Ah, bon. Okay. C'est... Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. De toute façon, déjà, quand tu portes un encre... Peut-être que tu ne sais pas, peut-être qu'il cherche l'âme sœur comme toi, mais... Il cherche l'âme sœur comme moi. Moi, j'en ai... Ah, je l'ai déjà, moi, l'âme sœur. Ah. D'accord. Ok, mais ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un spécial relation. Hein? On va faire, on a les deux cas, on a le petit café. On va faire un truc spécial pour que les abonnés puissent se rencontrer. Parce que je sais que Jobartine était très content, hein? Eric était très content de l'idée de Camille avec le livre d'or. Et il espère que le livre va passer par Strasbourg pour pouvoir retrouver d'autres membres de la chaîne pour pouvoir les signer.
Ah non, 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 là, je déconne, là. 24 minutes, je vais me faire engueuler par... Je vais me faire engueuler par Sandrine Bénézé. Elle va me dire, voilà, à cause de toi, je suis encore en retard au travail. Ce que j'aimais bien dans les petits décas, c'est que je pouvais les voir en entier avant d'aller bosser. Puis là, ça y est, là, on est en train de partir dans un délire, genre petit café, tu ouais, sais. Ah, mais t'imagines, le petit café d'hier, je crois qu'il faisait presque 1h20, je pense. Mais comment il fait ce mec là pour parler pendant 1h20? C'est pas compliqué. Je lis vos messages. C'est vous qui foutez le bordel. Ben oui. Si vous m'écriviez un petit peu moins. Hein, si vous en demandiez un petit peu moins. Tu dis ça, mais t'adores ça. Elle me connaît. Elle me connaît, ma mounette. Bah oui. Moi, je t'aime. Allez, on leur dit au revoir. Puis là, t'as Jackson qui fait... Bon, bah salut tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Et puis c'était un plaisir de vous avoir vu. Oui. Là, je fais une crise cardiaque, Jackson. Hein? Si tu parles comme ça... Bye-bye. Bye-bye. C'est fou, hein. Vous avez vu, c'est instantané, hein. Elle ressent les choses et bam, je vais faire quelque chose, je veux qu'elle crie, bim, elle va crier au même moment, c'est fou, quoi. Allez, je vous embrasse très fort. J'aimerais faire aussi un bisou particulier à toute la famille de Jérôme. Hein. Il nous regarde en famille et Jérôme, ce matin, il n'a pas pu regarder le café en entier. Donc, voilà, Jérôme, non seulement tu dois finir le café, mais tu as un décalage de 27 minutes qui t'en vient. Donc, bon courage, mon Jérôme. Bisous à tout le monde. Hein. Tout le monde. Je n'ai pas commencé à dire les noms, sinon on est là encore pendant 7 minutes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie. De... Oui, 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 des bonnes choses à raconter. Hein. Et puis, amusez-vous avec les copains. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bébé? Non, mais t'as pas l'impression que c'est un petit peu gros, ce morceau-là, hein? T'as plein de petits morceaux déjà prédécoupés. Et ça, là, tu préfères... T'es vraiment une coquine, Jackson. Bonne journée, mon amour. Bonne journée, mon bébé. Sois prudent sur la route, hein? Comme normalement, ils ont dû bien déneiger, là. J'ai entendu les déneigeuses. Oui, on a pris encore 15 cm de neige dans la nuit. Ouais. Je m'appelle Neige. Hein, Jackson? Ben oui. Non, mais je sais bien qu'il faut pas que je coupe. Là, ça y est, là, ils se régalent, les gens. Oh, ils voient la star de près en train de manger. Là, il faut surtout pas que je coupe. Hein? Oh là là, en plus, elle regarde la caméra. Oh là. Non, 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 tu restes dans le... Non, non, tu montes. Non, Jackson. Descends. Non, Jackson. Descends dans le coin. Retourne dans le coin, dépêche-toi. Va. Dans le coin. Voilà. Tu as le droit de manger là. Voilà. Comme ça. Oui. On est obéissant. Tu vois, il y a des gens qui disent que... On comprend. Suki, va te coucher. Va te coucher là-bas. Regarde, elle est en train de t'en donner. Hein, elle te donne des miettes. T'as juste envie de t'amuser, Jackson. Là, c'est vraiment juste de la déconnade. Juste pour en mettre partout. Tu manges même pas. Regarde ça. T'es une belle coquine, toi, tu sais ça? Tu sais que t'es une belle coquine, mon bébé? Oh oui. Oh oui, t'es une belle coquine, mon amour. Oh, je t'aime. Et voilà, là, ça y est, le déca est en train de dépasser toutes les limites d'un déca. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, c'est que du bonheur. Hein, mon amour? T'as pas besoin de parler, c'est comme les pitous, ça. Les petits chiens, ils ont déjà la parole, même si on les entend pas. On comprend tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu regardes Manouya et Suki en train de faire la guerre? Suki, arrête un peu de stresser tout le monde. Tu sais très bien que Manouya, il en veut pas des miettes de pain, mon bébé. Allez, régale-toi. C'est bon pour ta digestion. Oui, c'est bon pour ton système digestif. Il y a c'est un pain aux 9 grains. Sans sucre? Ben oui. C'est bon pour toi, mon bébé. Il y a de l'oméga là-dedans. Jackson, regarde là-bas. Là, elle est concentrée sur Suki. Descends. Oh, c'est quoi ça, Jackson? Regarde. Oh, c'est quoi ça? Ben oui.
Oh, tu as vu qu'il y en avait avec du beurre ici, Jackson. Regarde. Oh. Oh. Tiens, c'est qui? Vu où est placé le micro, je crois que vous avez dû entendre des petits gargouillis dans mon ventre. C'est tout à fait naturel, ça. Hein? Il n'est pas sorti celui-là, il est resté à l'intérieur. Il tourne encore, il cherche. Il cherche la sortie, tu sais. Il se dit hop là. Il y a bien un moment où je vais trouver la lumière au bout du tunnel. Oh! Waouh, ça c'est une belle image. Oh là 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 là, je te dis, Jackson, ils sont tellement heureux là. Tu les regardes là. Oh, la star, regarde les abonnés de la chaîne. Ça c'est magnifique. Et voilà, on les a fait les 30 minutes, 31 même. Mais oui. Mais oui, ben oui. Waouh. T'es belle, Jackson. T'es belle, mon bébé. Je te fais un bisou. Je te fais des bisous. Ben oui, je fais des bisous. Ben oui. Moi, j'aime ça faire des bisous. Oh oui. Sur les ailes. Montre-moi ton aile, je vais te faire un bisou sous l'aile. Oh oui. Waouh. Montre ton aile. Ouvre grand. Ouvre grand ton aile. Waouh. T'es belle, Jackson. Bon allez, ce coup-ci on va arrêter, hein, sinon ça va être vraiment trop lent. Je t'embrasse. Bye bye, attention. Ah, non, non, je vais juste appuyer sur le bouton. Hein. Non, tu veux pas qu'on arrête la vidéo? Et me met la patte sur la main, tu dis, oh wow, j'ai pas fini mon show. Tu veux encore mon bébé? Oh, oh, et là tu manges que le beurre, hein bébé. T'as remarqué que c'est que le beurre que tu manges là. Ouais. Je vais mettre la main. Non, je veux juste. Non, tu montes pas ta. Non, 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 certainement pas, petit bébé. Tu restes là, d'abord, il faut t'essuyer le bec avant de monter. Oui. Une belle princesse, ça, t'as fini de manger? Là. Comme ça. Souki, arrête d'embêter Manouya. Comme ça. Voilà. Oui, on essuie tout ça. Une princesse doit toujours avoir le bec bien propre. Là, tu as le droit de monter. Voilà. Tu veux venir sur l'épaule? Allez, on grimpe. Bye bye. Je vais enfin appuyer sur le petit bouton. Vas-y, je t'essuie, que je m'essuie, hein?